Salutations à tous et à tous, que Dieu vous bénisse à l'instant Fouité Ibo, c'est Thierry Zo. Là, je suis dans les bureaux du Buffalo. La canette énergie sans taurine, à consommer sans modalité, c'est-à-dire que tu peux consommer ça comme tu veux. Voilà, ça ne te crée pas de soucis, ça n'agit pas sur ton rein comme les autres canettes que les gens vous forcent à boire. Parce que je dis, les gens vous forcent à boire à travers les publicités un peu partout, ils font de n'importe quoi à travers les publicités. Les gens célèbres font des publicités avec des canettes énergie. Mais ne buvez pas ce genre de canettes. Voilà, parce que c'est des trucs, il y a du taurine, il y a de la caféine dedans, ça agit sur vos reins. Mais canette, la canette Buffalo énergie, ouais, le buff, voilà, ça n'agit pas sur le rein. C'est sans taurine, sans caféine. Donc consommez sans modalité et puis amusez-vous avec ça même. Gigi, ça rend bien. Ça met le garçon digital. Bon, c'était pas l'heure du jour. L'heure du jour, les gens m'appellent pour me dire, bon, souvent tu es là, tu fais des vidéos, tu dis que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Mais les pasteurs ont commencé à faire le boucan. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a des pasteurs, tu veux se comparer à ton boss Mola, parce que de la manière que Mola fait le boucan dans les concerts, il y a le pasteur Rufus Zahut qui est sorti, qui a commencé à faire le boucan et tout ça. Pourtant, c'est quelqu'un que les gens connaissent, tiens, ouin, et c'est comme ça. Donc, il y a Makoso qui est sorti dessus, le général Makoso, autant pour moi, qui est sorti dessus. Moi, je pense que moi, je n'ai pas besoin de me mettre dedans, mais il n'y a pas de souci. Sinon, le général Makoso est déjà sorti dessus, il a déjà tout dit. Maintenant, pour les Noussi, pour les Igbo, moi, là, c'est Didi. Si Dieu est dans sa main, Dieu a dit que c'est son fils. Moi, il se prendra à ses fidèles. Et puis, tu sens la vivacité de l'Éternel dans son mouvement. Donc, déjà, c'est quelqu'un d'honnête et c'est quelqu'un de sérieux. Bon, si les hommes du monde font le boucan, jettent l'argent sur les gens, quand vous m'appelez, vous me dites non, il veut se comparer à ton boss Mola, c'est quoi? Non, non, il ne veut pas se comparer à mon boss Mola. Non, non, c'est pas de la même fréquence. Mola, c'est un boucantier. C'est lui qui a envoyé le coupé décalé. Le coupé décalé rime avec le boucan, avec le malin, le matuvu. Mais l'or et l'argent appartiennent à qui? L'or et l'argent appartiennent à qui? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc si tu es enfant de Dieu et tu parles de Dieu, tu prêches Dieu et tu prêches le savoir-vivre, tu prêches, et Dieu te oint. Ah mais Dieu a fait une grâce. Dieu lui a fait une grâce d'avoir de l'argent, d'avoir des business, d'avoir des entrées d'argent. Maintenant, s'il a son fils qui est en train de faire son concert, qu'il a décidé de venir soutenir, c'est une manière de vous dire que quand tu aimes Dieu, quand tu suis Dieu, quand tu aimes Dieu, il y a de l'argent dedans. Quand tu suis Dieu, il y a beaucoup d'argent dedans. L'argent qu'on fait comme ça, du matu vu là, c'est l'argent éphémère. Mais pour le refus Zahu là, l'argent que le refus Zahu a jeté là, c'est l'antiresse. C'est-à-dire quand il jette quoi, il jette ça au nom de Dieu. C'est comme quand tu fais du bien, c'est une manière de faire du bien aux orphelins, aux veuves et aux estropiés et tout ça. C'est tout ça là, c'est les grâces. Refus Zahu, il a reçu des grâces. Grâce qu'il a reçue, là, il partage ça à tout le monde. C'est Dieu qui donne. C'est un enfant de Dieu. Donc quand Dieu donne, là, il faut partager. À n'importe quelle heure, il lui décide d'aimer quelqu'un. Voilà, c'est lui qui fait du bien à tout le monde. C'est lui qui a décidé qu'il va moins refuser Zahui. Et refuser Zahui n'est pas se lever pour faire le boucan. Le boucan, là, c'est la gloire de Dieu. Il ne s'est pas levé pour aller faire boucan dans le coupé des canettes. Il a fait boucan pour Dieu. Pour un petit qui est moins, qui est en train de chanter. Il chante l'amour de Dieu. Il chante l'amour. Tu touches le cœur de tout le monde. Mais aujourd'hui, là, comment on peut le soutenir? On ne peut pas rester dans nos fauteuils. D'autres disent non, qu'il devait donner l'argent en courlis. Quel courlis? C'est le diable qui fait pour lui en courlis. Le diable, là, c'est lui qui se cache et puis il fait ses activités. Mais Dieu, là, il fait ça en pleine journée. Il fait ça Didi en pleine journée. Donc Dieu, là, quand tu es loin de Dieu, là, tu te caches. Vous ne voyez pas le général Makoso? Quand il est million, là, il attrape ça, puis c'est beaucoup dans sa main. Vous êtes en train de parler de Rufus Zahu. Arrêtez ça, Joe. Bon, arrêtez ça. Vous pouvez y parler comment? Non, laissez tomber. Laissez tomber. Hé, hey, Rufus Zahu, tu es toi. Je te soutiens, beau. Je te soutiens. Parce que moi, ma mousse, même là, elle écoute toi, t'es oui. Elle écoute toi, t'es oui. Et puis souvent, elle me met ça dans mon courant, et puis ça prendra. Moi, mais j'ai un jaillir. Hé, moi, voilà, il big up. Hein. Ça déjà mon mind. Voilà, j'ai un jaillir. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous dire que Rufus Zahu, je suis d'accord avec ça. Oh Dieu, je suis d'accord avec ça, demain, je suis alléluia ça, parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et s'il est le fils de Dieu, qu'il est loin de Dieu, il doit partager son argent, parce que Dieu, l'abondance, là, c'est Dieu. Donc quand Dieu te donne, là, tu dois partager avec tes frères et soeurs. Peu importe le partage, c'est qu'il faut partager. C'est pour moi, refuser. J'ai beau dire à tout le monde, tous les frères sont. Debordo est rentré. Vous avez vu Debordo en train de pardonner à tout le monde, en train de faire des trucs où il réunit tous les artistes et tout ça. Voilà,
Son album va sortir bientôt. Album de Debordeaux, là, ça va sortir bientôt. Il est partout actuellement en train de tourner dans les maquis et bars, en train de faire, de parler de son mouvement et tout ça. Donc, adhérez à ça. Aujourd'hui, si vous voulez que le coupé décalé n'est qu'à aller de l'avant, le coupé décalé n'est qu'à bien avancer, le coupé décalé n'est qu'à être intéressant, là. Écoutez bien Debordeaux. Suivez Debordeaux. Voilà, quand son son va sortir, là, quand son album va sortir, tout le monde n'est qu'à le payer. Tout le monde n'est qu'à le payer. Tu payes et puis tu fais ta vidéo, tu dis je suis Debordeaux, je suis prêt pour le coupé décalé. Quand tu payes le CD Debordeaux, tu dis je suis prêt pour le coupé décalé. Debordeaux, voyez ça. Dieu te bénit encore pour ça. Voilà, maintenant, je ne comprends pas. Les gars de la Yoro Gang sont en train de parler. Depuis, non, c'est quoi, Yeri, il s'appelle Aboumé l'éléphant. Aboumé l'éléphant, là. Badré, si tu es vraiment, tu es là, tu es en train de prendre grand pays, tu prends tel gars, tu le soutiens, tu prends, c'est pas mauvais de soutenir les autres. Mais si tu es vraiment de la Yoro Gang, tu fais les vidéos de la Yoro Gang, tu fais les trucs qui vont signer, qui fait le match vu de la Yoro Gang, quoi, c'est bon. Mais il faut regarder Aboumé, il s'appelle Aboumé l'éléphant, un petit qui est pétri de talent. Quand on dit talent, quand on dit chanter, là, c'est Aboumé l'éléphant. Il fait rap maintenant, rap là, rap, il voit là, tu entends les trucs qui fait, les trucs qui va signer, qui fait le match vu de la Yorogan, quoi, c'est bon. Mais il faut regarder Aboumé, il s'appelle Aboumé l'éléphant, un petit qui est pétri de talent. Quand on dit talent, quand on dit chanter là, c'est Aboumé l'éléphant. Il fait rap maintenant, rap là, rap, il voit là, tu entends les sonorités, les petits qui aillent de Yorobo dedans. Donc si on doit aider quelqu'un, on doit le soutenir là, c'est Aboumé l'éléphant. La Yorogan. Et non de vous prendre la tête avec Ariel Chiné pour dire c'est Judas, Ariel Chiné, coin, Debordeaux est coin, c'est coin, coin, coin. Hé, concentrez-vous sur Aboumé l'éléphant. Concentrez-vous sur Aboumé l'éléphant, vous allez avoir une nouvelle gloire de la Yoro Gang. Et puis vous allez soutenir ça. Donc arrêtez de faire vos marronniers là, ça prend même plus même. Didi, on en s'en fouette. Salutations à mon fils Kadeo Biang, Didi Capo, salutations à la mère Esther, salutations à Diamant Noir, salutations à mon fils Senkou Kao, salutations à la grande famille Zgei Positif, salutations au capitaine Zgei de Côte d'Ivoire et la diaspora Zarapaoun, salutations au Vieux de Bayota, salutations au Dozofa Fabidja, salutations à mon groupe WhatsApp, salutations à tous les Zgei de Côte d'Ivoire et la diaspora, beau, c'est tiré de beau, Tanja, il ne s'achauffe pas. Je suis en train de dégainer un maquis à Bassam ici, on va appeler ça Bifalo Lange. Voilà, c'est pour bientôt. Dieu a fait grâce en diaspora, rapidement, chap chap. Quand tu viens à Bassam, tu vas à la plage. À la plage, c'est au championnat habitué. Quand tu viens de Tchéka, les Bifalo là-bas, tu mets bien les pouces, tu crées les chicken, les chicken. Quand tu viens en ville, maintenant, tu as un Bifalo là, tu te mets ZBD. Et puis après ça, tu viens dans mes appartements. Ouais, il y a les chambres meublées, il y a les maisons meublées, deux chambres, deux pièces, trois pièces, quoi. Tu as tes beaux, tu as ton jaillet dedans. On est ensemble fouetté, que Dieu nous bénisse. C'est Thierry au fouetté.